La matière de base, c'est des contes qui ont été rédigés au Moyen-Âge au Pays de Galles, en gallois. C'est des contes qui, sans doute, se transmettaient plutôt de manière orale. Et il y a, au XIIIe siècle, des gens qui ont décidé de les... Peut-être ça a commencé à se perdre un peu, je ne sais pas. Ils ont eu l'idée heureuse de les consigner par écrit. Donc on a eu... Après, c'est encore tombé dans l'oubli. C'est au XIXe où les Anglais ont redécouvert ces trucs-là, à l'époque romantique, qui s'intéressaient à ce genre de matière un peu médiévale. Il y a beaucoup d'étrangeté, et je parlais tout à l'heure d'exotisme dans ces histoires, et il y a de la musique avec ça. Il y a des paroles là-dessus. Un mabinogion M minuscule, c'est aussi le nom que les mabinogions M majuscule donnent aux histoires qu'ils racontent. Revenons à nos mabinogions majuscules et minuscules.